Maintenant la Coupe d'Europe avec la venue de Sofia au stade Vélodrome le 21 mars. Sofia qui compte un but de retard et qui va jouer le tout pour le tout face à l'OM privé de Philippe Vertruis suspendu. 35 000 spectateurs vont assister à la victoire des Marseillais 3-1. Dans l'ordre, Waddell, Papin, Sauzet et une pléiade de belles actions. Mais cette fête du football va être entachée par la blessure de Gaëtan Huard. À la 83e minute, Ouroukov se présente devant le gardien de l'OM, qui voulant intercepter heurte violemment Eric Murat. Bilan, fracture ouverte et une saison terminée pour Guéguet. Les deux remplaçants étant rentrés, il faut trouver un joueur de champ pour garder les buts olympiens. Il peut toujours se passer des choses dans les matchs où on a besoin d'un gardien remplaçant. Et bon, c'était le cas cette année contre Sofia où Gaëtan s'est blessé et où nos deux remplaçants étaient rentrés. Et à partir de là, je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution que je rentre dans les buts. Je crois qu'il y avait tout pour que je prenne pas de but. Il y avait 3-1 pour nous, il y avait 1-0 au match aller. Il y avait 40 000 spectateurs qui étaient vraiment super avec moi parce qu'ils m'ont encouragé quand j'ai pris les gants. Et je crois qu'il ne peut pas m'arriver grand-chose. Et non seulement il ne lui arrivera pas grand-chose, mais JPP s'en tirera fort honorablement, préservant ses buts inviolés et assurant ainsi la qualification de son équipe pour les demi-finales. Ce soir-là, l'OM continuait l'aventure européenne. Marseille pouvait être fier de son équipe dont la renommée dépassait toutes les frontières.